Madame la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bah oui, on est pas là pour prendre un pique-nique. C'est vrai. Je suis avec Myriam et il y a Yacine aujourd'hui. Yo. Avec nous, dinguerie. J'ai dit à Myriam, on va tester la meilleure boulangerie de France. Sur leur Instagram, ils ont dit qu'ils ont la meilleure galette des rois. Ils ont les meilleurs repas, tout ça. On va aller là-bas. Ils ont des trompe-l'œil. Elle me saoule avec ça, genre des fausses mangues en mode fruit. Et tu manges. En gros, t'as l'impression de manger une mangue, mais c'est un gâteau. On va aller voir ça tout de suite. C'est pour les Big Hanlef. Hein. On est bien arrivé, la famille. Il pleut, on est dans la voiture. La boulangerie est à quelques mètres. Et j'ai mis des micros. J'ai envoyé un message à cette boulangerie. Je leur ai dit bonjour, est-ce qu'on peut venir filmer? Elle m'a dit oui. Yacine, quand une boulangerie elle dit ça, c'est que normalement elle a rien à se reprocher. Normalement ils sont confiants. Par contre, j'espère ils ont des bonnes pâtisseries, hein, ça serait incroyable. À chaque fois, ils m'amènent dans des boulangeries avec des pains au chocolat et des croissants, c'est trop. Là, t'inquiète, il va avoir des... il y a les faux fruits, les trucs de ouf. Non, on y va. C'est grave bon les pains au chocolat. On n'est pas venu pour ça, on est venu pour manger. Ça y est, on est arrivé. Je vous présente le boulanger pâtissier Maison Gébron. Il y a déjà des gens, les gars, il est quelle heure? Il est 13h49. Normalement, à 13h49, il n'y a personne à la boulangerie, il y a une queue. Donc on va essayer de se mettre très très bien, j'espère que les gens ils vont pas tout prendre. J'espère aussi, il nous reste des trompe-l'œil hein, parce que là je vois il y a presque plus rien. Oh, il y a Domino's Pizza en face. À tout moment ça va partir sur une pizza. On est arrivé dans la boutique, je suis en train de voir, il y a des faux fruits. C'est la première fois de ma vie que je vois des faux fruits. Ça a l'air d'être une masterclass. Ouais, il y a rien, des faux fruits les gars. Ouais, des champignons, des noisettes, des champignons. La framboise. Younes, Younes, tu prends le champignon, moi je prends la noisette. Est-ce que vous allez faire une big commande? On va faire une big commande les gars. Ah, ils ont aussi la meilleure galette de roi de France, ils ont gagné un concours. Et moi, Younes, c'est ça que ça a l'air incroyable. Ouais. Regardez, les prix sont pas chers par rapport à ces briques gros lélé. Oh my god, les gars, regardez les cookies de malade. Ce qui me donne le plus envie, regardez le croissant. Y a pas assez dans notre ville. On va prendre un cookie. Je sais pas comment je vais réussir à manger tout ça. Les gars, ils font les sandwichs directement sur place. Je sais pas si elle va nous autoriser à les filmer la cuisine. Ça serait non, dingue. Pas chez toi quand même. Si je suis chez moi, maintenant c'est chez moi, ici c'est mon QG. Attendez, vous n'avez pas voulu tester ça. Ça parle de... Mais il y a trop de trucs, c'est croissant nuit. Younes, Younes, si t'as un vrai DZ, tu te demandes est-ce qu'on peut visiter la cuisine. Ils sont en train de se dire, on a le Mbappé du gros porc dans la boulangerie. Ils sont préparés comme des ouf. Mbappé avec une moustache ou la commande va être impressionnante, vous allez voir. La dame, depuis tout à l'heure, on est en train de remplir. On va se retrouver avec un repas de 24 personnes. La famille, en direct, je sors de foutre le cœur avec des paires de baskets. Mais non, c'est bien de la bouffe, on est vraiment des gros. L'accueil, 10 sur 10, la dame était très très très. Non, 1000 sur 1000. 1000 sur 1000, la dame était très. Attends, juste un truc pour tout ça, là, t'as payé combien? En tout cas, on a payé même pas 25 euros, je crois, dans une boulangerie gastronomique, on en aurait pour 100 euros. Ouais. On va à la maison, la famille, et on va voir si c'est aussi bon que beau. Vous voyez, les gars, c'est ça que j'aime bien avec eux. Ils savent qu'ils vont faire une dégustation de gros et ils font du sport parce que le sport c'est important. Donc les abonnés qui regardent la vidéo, les gars, faites du sport pour votre santé, c'est très très important. Allez, on pousse. Allez Myriam, pense aux pâtisseries, pense au trompe-l'œil. Voilà. La dégustation peut commencer, je répète, la dégustation peut commencer. On va prendre article par article pour bien regarder chaque produit, les gars. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'aller dans la meilleure boulangerie de France. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un gros like parce que vraiment, c'est un truc de ouf. C'est parti, on commence par la première pâtisserie, c'est Myriam qui l'a choisi. Déjà, les emballages, ils sont pas mal déjà. Ouais, ils sont incroyables. En plus, il y a un M comme Myriam. Oh waouh. Alors, on va sortir ça, je sais. Comment? Attends, je pense qu'on va... Ouais. On déchire. Oh, mais doucement. Waouh. La dame, elle a dit que le champignon, il est très fragile. Elle a dit c'est très très fragile, les gars. On va essayer de sortir ça. Incroyable comment il est bien fait. Regardez-moi ça, les gars. Un vrai champignon. Je rêve. C'est une dinguerie. Comment on fait pour couper ça? Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Moi, d'habitude, c'est avant d'énerver. Coupe là, d'abord le haut, d'abord le haut. Ah, c'est dur. Du coup. Ah non, ça va. Ah, c'est une coque. C'est une coque. Ok. Younes. Younes. Je dis que j'ai pas l'habitude, désolé. Oh, c'est de la mousse là. Tiens. Oh my god. C'est une dinguerie, on fait n'importe quoi. C'est là. Waouh. Incroyable, les gars, c'est une dinguerie parce qu'ils ont réussi à faire un truc dur en haut et une mousse au chocolat juste en bas. Voici comment c'est fondant. On sent bien là. Mais c'est une dégustation, faut garder pour la suite. Il mange toute la pâtisserie, ce fou. Attends, moi je veux goûter ça. Ah, les gars, pour ma part, je mettrai un 8 sur 10. Moi pour ma part, je vais prendre un 8 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce que c'est extrêmement sucré. Pour le plaisir, tu prends ça au café une fois de temps en temps, c'est incroyable. Le champignon, les gars, il est validé. Mais pourquoi un champignon alors que c'est au chocolat? Et là, la famille, je pense que c'est la galette des rois. Alors, je vous explique pour la galette, c'est vraiment très spécial. Parce qu'ils ont gagné un concours du genre, c'est la meilleure galette de France, de Seine-et-Marne. On commence crois. Pas à la... On va pas la casser, t'inquiète. On va découper. C'est celui qui a la fève, tu imagines? En tout cas, elle est belle, hein. Ils ont fait des petites fleurs genre au-dessus. Ouais, franchement... Moi, pour la, déjà, pour le point de vue, je mettrai un 10 sur 10. Elle m'a dit qu'elle a été faite aujourd'hui, donc pas besoin de la chauffer. Ok, je te passe un bout.
Non, non, moi je fais de la fève. Ah oui, il y a une fève. Bismillah. C'est la meilleure galette que j'ai jamais mangée de ma vie. C'est pas pour faire l'acteur, mais c'est la meilleure galette que j'ai mangée de ma vie. Comme on sent bien la frangipane, l'amande. Genre, c'est doux, c'est pas dur. Je l'ai même pas chauffée, elle est même pas dure. Genre, c'est pas trop sucré là par contre. Elle rivalise avec les galettes de maman, dites-vous. C'est une dingue alors que ma mère a fait des galettes de ouf. Des galettes de 4 parts, 6 parts, 8 parts. En fait, il y a plusieurs couches de frangipane et c'est ça qui est incroyable. C'est trop, trop. Je comprends vraiment pourquoi elle a gagné le titre. Parce que regardez la couche de frangipane, comment elle est balèze. Regardez-moi ça. C'est vraiment ultra balèze. Ça c'est validé, hein. Ça c'est validé. On attaque avec cette petite boîte blanche, les gars. Je sais pas du tout c'est quoi, j'ai pioché au hasard. Heureusement qu'on a fait du sport, Myriam. Heureusement, sinon on aurait été... Oh, on a mis deux, on en a mis deux. Regardez, elle a mis les deux cookies spéciales. Le premier, ça c'est le préféré de Yacine, il nous a dit de prendre ça. C'est incroyable celui-là. À la pistache, et le deuxième... Oh, il est grave moelleux. Il est moelleux, ah ça c'est un broki. Je crois qu'en bas, regardez, c'est du brownies et en haut, c'est du cookie. Du broki, il a dit. C'est un truc de ouf. Moi, je vais goûter celui-là. Yacine, imagine, il a l'air d'être incroyable. Bismillah. Ah, mais il faut vraiment être fort pour faire ça quand même. Hein. Le cookie, il est... Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Alors, j'espère que c'est pas trop, trop sucré. J'ai peur que ce soit trop sucré. Bismillah. Oh, oh. C'est trop. Non, c'est trop, ça, s'il vous plaît. Ça existe pas, ça. Ça existe pas. Ça existe pas. En fait, on est en train de rêver. Mets-moi une claque, vite fait. Mets-moi une. Non, je rêve pas. Je rêve pas, c'est la vérité. Les gars, c'est super, super bon. Yacine, il est derrière la caméra, t'as envie de goûter? Non, même pas. Oh, le mytho. On va goûter. La famille, tiens, je te laisse goûter celui-là. Oh. Mais calme-toi. Moi, je vais goûter celui-là. Putain, je vais devoir ouvrir grand ma bouche pour une pâtisserie. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais écoute, en fait, dans ce brownie-là, on sent les quatre couches. Oh là là. Ça fait comme quand tu vois la crème pâtissière que tu la mélanges et que tu goûtes. Oh, c'est... Quand vous êtes triste, allez à cette boulangerie. Vous allez retrouver le sourire. Et est-ce que c'est fondant? Pour l'instant, c'est mon top 1. Là, c'est le meilleur gâteau que j'ai goûté de toute la dégustation. Top 2. Après celui-là avec le brownie en dessous, là, hey, goûtez-le. Goûtez-le, c'est le Younes. On l'appelle le Younes maintenant. On enchaîne avec... Je crois que c'est le Rolls, hein, je sais pas. Si c'est le Rolls, je suis trop content. Tu sais que le Rolls... Bah, regardez. Doucement, crate pas la Ouais, trop bien. Alors celui-là, vous pouvez demander à Yacine. Dès que je l'ai vu sur Instagram, ça fait depuis un an que je veux le goûter. Mais il est jamais, jamais ah, ça, là. Il y a deux Rolls, regarde, attends. C'est génial. Non, il y a deux Rolls. Oh, trop bien, on en a mis deux. Mais madame, mais merci madame. Mais la madame, elle est trop gentille, on en a mis deux. Ou alors peut-être elle a fait une erreur. Non, la vie, on en goûte que un. Et l'autre, on le laisse pour après, quand je vais avant de dormir. Il est malade. En tout cas, la famille, ce que j'aime bien, c'est qu'il est lourd. Ok, je peux. Et pour les gros comme moi, vas-y. Pour les gros comme moi, c'est bien parce que je sens que ça cale. Moi, je peux dire mon avis avant que tu goûtes. C'est quoi à l'intérieur? Attends, je vais carrément l'ouvrir. Il pourra rien à l'intérieur. Non, si, parce que t'as pas eu la crème. Regardez, il y a de la crème. Oui. C'est pour ça, moi je crois que le milieu c'est le meilleur bout. Les gars, on sent le spéculoos arriver. Après, on sent la pâte. Après, on sent un goût de crème. Après, on sent encore la pâte. Ça fait un truc de ouf. Oh là là, c'est une explosion dans la bouche. Ça fond, ça fait. Comme l'a dit Myriam, t'as du feuilleté. Après, t'as du tiramisu. On dirait pas du tiramisu dedans. C'est extra bon. J'attendais depuis un an avant de goûter ça, les gars. Bah, c'est vraiment raison, bon. Hein. Il y a goût spéculoos, il y a goût Nutella, il y a plein de goûts, la famille. Et c'est fait le jour même, je crois. Et c'est pas la meilleure boulangerie pour rien. Hein. Ouais. Ensuite, ce qui est bien, c'est la famille, c'est qu'il y a du salé, il y a des sandwichs. Par contre, ils les montent pas à la carte, mais en fait, c'est juste. Ce qui est bien avec eux, c'est que ils font pas des sandwichs le matin. Ils font des sandwichs quand tu demandes, ça veut dire les sandwichs ils sont frais. Des fois, tu vas dans des boulangeries, tu demandes un sandwich, le sandwich il date de 7h du matin et pas très frais. Ou alors il date de l'année dernière. regardez comment c'est. Oh, ils ont mis du vrai poulet. Ils ont mis du vrai poulet, les gars. Bien évidemment, tout est 100%. Halal, c'est halal. Qu'est-ce que tu me fais, là? Laisse-moi mon croc. Bismillah, je vais mettre un croc au milieu. Bismillah. Ah ouais. J'aimerais bien vous dire que c'est un sandwich normal, mais wallah, 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 par trois fois, que tu sens que les ingrédients qu'ils ont mis, c'est vraiment de qualité. Ouais, c'est vraiment frais. C'est frais, le fromage il est bon, la salade elle est bonne, le poulet il est bon, la mayo elle est bonne, le pain il est bon. Genre, c'est tout est bon dedans, même, t'as vu la mayonnaise comment elle est bonne. Incroyable. C'est trop. Hey, calme-toi, ça c'est mon sandwich. Hein. Non, ça c'est mon sandwich, calme-toi. Oh, oh. Donc vous allez, en plus elle avait dit quoi, elle avait des sandwichs au saumon, avocat, il y a plein de goûts. Celui-là je mets 9 sur 10. La crudité aussi. Ouais, les chefs, vous avez vu, il y avait la cuisine juste derrière là. Les chefs ils sont trop forts, franchement les gars. Incroyable, les chefs continuent comme ça. Grand respect à vous, le sandwich il est très 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 bon. Pour le moment c'est un sans faute les gars, c'est un sans faute. Ah, mais elle arrête pas de ramener des boîtes, elle enchaîne boîte sur boîte. Moi c'est les trompe-l'œil que je veux voir. Est-ce qu'on a l'adresse sur la boîte? Ouais, regardez, pour l'instant je vous mets l'adresse, la famille si vous voulez regarder. C'est à Ville-Paris dans le 77, là il y a l'adresse.
Et vous pouvez commander, genre vous pouvez appeler au téléphone, dire oui bonjour madame, je voudrais un New York Rolls et une galette des rois. Tu peux la chercher dans 20 minutes, après ils te font ça et après tu vas la chercher. C'est les trompe-l'œil, trop bien, regardez. On dirait vraiment des vrais fruits. C'est trop trop bien. Il nous faudrait peut-être un... La dame, elle nous avait donné des comment on appelle ça déjà? Des cuillères. Des cuillères. Regarde dans le sac. Le café. Elle nous a tout mis, madame. Madame, vous voulez qu'on grossisse ou quoi, madame? Elle nous a mis plein. Elle nous a mis plein de cuillères. Regardez toutes les cuillères. Bah attends, une cuillère pour chaque truc. Tiens, pour le café, hein, pour le café. Moi aussi pour le café. On commence... Tiens, pour la pomme. On commence par la pomme, non? On commence par la pomme. Non, en vrai, par le café. Ouais, vas-y, par le café. C'est parti. T'as un ouais, c'est dur. Dur. Ouais, il est dur. Non, ça va, c'est pas dur. Okay. Il y a une petite coque et à l'intérieur c'est de la mousse. C'est là. Ah, c'est une pâtisserie au café. Papa, il va adorer ça. Papa, mon père, il va trop. Ça, c'est un truc d'ancien. C'est un truc pour les papas papounés. On te laisse, on te laisse. Moi, je suis pas trop au café, la famille. Alors, au début, tu croques, ça devient du chocolat et tout. À la fin, t'as le café. T'as vu le café noir après les papas. T'as le chocolat avec le cacao. Après, t'as la couche de chantilly et après, t'as le café qui s'assoit. Ça, je vais le laisser à papa, il va péter un plomb. Ensuite, on va sur le Kinder. Vas-y. Un Kinder en gâteau. Attends, faut qu'on change de cuillère, sinon on va avoir le café. Mais là, il n'y a pas besoin de la cuillère avec le Kinder. Si, on n'est pas. C'est comme un éclair. Arrête, on n'est pas des sauvages. Arrête. Et moi, une cuillère. Ah oui, on a là. Non, on prend une nouvelle. Je vais l'ouvrir par là pour qu'Yassine, il a un bon plan. Ah, il est mou, hein, regardez, c'est mou. On a de la mousse. Et après, on a un fondant au chocolat. Mais on est puni. Attends, est-ce que ça a le goût du Kinder? Ah, c'est la mousse du Kinder. On est puni. Pourquoi on est puni? Eh, genre, il n'y a pas un truc pas bon. C'est incroyable. En fait, il n'y a pas un truc qui est pas bon, je vous jure. Ça a le goût du Kinder dans le gâteau. Maman, elle m'appelle, je peux même pas lui répondre. Désolé, maman, je suis occupé. Désolé, oula, c'est pas contre toi, mais je suis occupé. Je peux goûter ça. La mangue? Ouais, la mangue. Alors, ça, s'il n'y aurait pas la vidéo, j'aurais jamais goûté personnellement. Si je vais dans une boulangerie, jamais je prendrais ça. Je prendrais peut-être un truc au chocolat, mais ça, non. Elle nous a dit que c'était la meilleure chose en top 1 des plus bons. Elle a dit que c'était la mangue. Mais la mangue, mais un croc. Tu vois, c'est une coque et à l'intérieur, t'as de la mousse. Regardez, à l'intérieur, on a un coulis de mangue. Tu vois le coulis là? Tu vois le coulis? Bismillah. Ah, le goût, il est fort, il est acide. Non, ça a le goût des glaces oasis. Je te jure que ça a le goût des glaces oasis. Perso, moi, c'est pas mon kiff. Moi, c'est en fait, moi, dans les pâtisseries, j'aime que le chocolat, la vanille. Tout ce qui est acide et sucré, moi, non. je C'est trop bon. Je vous jure, ça a le goût de l'oasis. C'est incroyable. Je pourrais la finir tout en entier, moi. Ah ouais? Moi, en tout cas. Pour ma part, c'est dans toutes les gâteaux. Vous pouvez demander à Yacine quand c'est fruité et tout. Je suis pas trop ça dans les gâteaux. Ok, maintenant on va goûter la pomme. La pomme, ok. Attends, laisse Yacine avoir un bon plan. C'est pas... Elle est très très belle. Hein. Niveau visuel, je lui mets 10 sur 10. C'est la pomme rouge. La pomme rouge de Blanche-Neige. Tu la manges, tu tombes dans les pommes. Ah, pareil, c'est une coque. Ah, je pense qu'il y a du coulis aussi. Moi aussi. Attends, Myriam, laisse-moi mettre un coup de cuillère. Ouais, tranquille. À l'intérieur, on a un coulis de pomme rouge comme ça. Et là, on a la coque qui est dure. Je prends le coulis pour voir. Ah, j'ai capté, ça fait une tarte aux pommes. T'as le goût de la tarte aux pommes. Genre, ça a le goût de la tarte aux pommes. Mais là, le truc rouge, je sais pas, ça a le goût de quoi. Je vais regarder ça tout de suite. Ça a le goût d'un fraisier. Ouais, carrément. Moi, je le mettrais plus dans les sensations d'un fraisier. Ouais, moi aussi. C'est carrément un fraisier. Ça ressemble plus à la fraise qu'à la pomme. Ça, par contre, du coup, je valide. Moi, je préfère plus ça que la mangue. Et ils ont aussi de la poire. La poire, ça sera à tester aussi, la poire. Et là, la pièce ultime. Attends. Moi, dès que j'ai vu la photo, directement, je me suis dit, Younes, faut que je prenne la noisette. La noisette, ça, c'est normal, c'est notre kiff. Okay, faudrait pas la retourner, comme ça, Yacine, il peut voir ça. Il peut voir quoi? Oh, regarde à l'intérieur, Yacine, qu'est-ce qu'il y a? On va essayer d'avoir tout. Ah, il s'est cassé la gueule. Tout Ferrero Rocher, c'est du Ferrero Rocher les gars. Ah, c'est trop trop bon, ça a le goût du Ferrero Rocher. Dès que tu vas goûter, tu vas voir le même goût que le Ferrero Rocher. Ah ouais. C'est une dinguerie en pâtisserie, t'as vu? Mais ça par contre, c'est blindé sucré. Hein. Ça c'est la coque au chocolat. C'est très 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 bon. Hein. Chocolat d'or, tu vas aimer. Pour se faire plaisir de temps en temps, c'est ultra bon. Là, je le mettrais plus comme un Ferrero Rocher. Numéro 1 de ces pâtisseries-là, je mets le Kinder, la noisette. Ensuite, je mets la pomme, le café et la mangue. Il y a tout est bon. On va passer à la suite. Il y a tout de suite. Quoi? Arrête! Myriam, me dis pas qu'il n'y a plus de suite! Je vais voir, attends, Non, mais c'est fini déjà! Bon bah la famille, c'est terminé malheureusement! C'est le pire, c'est la pire fin de vidéo! Je m'attendais à d'autres gâteaux, d'autres pâtisseries, d'autres plaisirs! En tout cas, merci beaucoup à Maison Gébran! Je vous mets la description juste en bas! Allez-y pour vous faire plaisir, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y avait aussi des croissants au Nutella, des croissants à la pistache. D'ailleurs, Maison Gébran, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à nous réinviter. C'est avec grand plaisir qu'on aimerait tester d'autres produits. Nous, on va vous laisser là, je te laisse le mot de la fin. Et donne mon sandwich.